Mont-Dauphin est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mont-Dauphin est situé sur un plateau rocheux qui surplombe le confluent des vallées de la Durance, du Guil et du Torrent de la Chagne, qui drainent les vallées menant au Coloniel, du Mont-Genèvre et de Vars. Mont-Dauphin a la particularité de n'avoir qu'une seule commune adjacente, en effet la commune des Yeugliers, qui en fait le tour, elle l'englobe. La commune de Mont-Dauphin forme donc une enclave dans la commune des Yeugliers. Mont Dauphin est bâti sur une terrasse fluvio-glaciaire. Coupée en deux, par le guil, cette terrasse constitue maintenant deux plateaux. Le plateau de Mont Dauphin, sur la rive droite, et le plateau du Simoust, Sur la rive gauche, plateau surtout à vocation agricole. Cette terrasse de moraine est constituée de poules dingues, très indurées. Agale est bien arrondie, plus ou moins stratifiée. L'érosion épargne plus cette roche, formant des pinacles constitués de poudingues particulièrement résistants. Le plus spectaculaire, Surnommée localement la main du Titan. Une faille majeure qui permet la remontée d'eau profonde est à l'origine d'une source thermale, se trouve à son pied, plan de Phasie, ainsi qu'une source pétrifiante, la source de Réautier. C'est lors de la construction d'une place forte, à la fin du XVIIe siècle, en mars 1693, que le plateau va devenir Mont Dauphin, nommé ainsi en référence au Grand Dauphin, le fils aîné du roi Louis XIV. La place forte est située dans le Dauphiné. Le site se verra appelé Mont Lyon. En 1793, qui sera orthographié Mont Lyon, sans i, pour redevenir Mont Dauphin, en 1814. Avant la construction de la forteresse, ce plateau s'appelait Milorès, Milorès en occitan, ce qui signifie balayé par mille vents. Sur certaines cartes anciennes, le lieu est nommé Saint-Antoine du Bouchet, jusqu'en 1700. Fondé en 1693, par Vauban, Mont Dauphin est avant tout une place forte, destinée à verrouiller les accès des vallées, de la Haute-Durance et du Guil. En 1692, durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et malgré une alliance matrimoniale avec la France, Victor Amédée II, duc de Savoie, s'est joint aux Alliés, Angleterre, Autriche, Province Unies, en juin 1690. De juillet à septembre 1692, à la tête d'une armée de 45 000 hommes, il envahit le Kéra, et la vallée de la Durance, pour créer une diversion et diviser les forces françaises, dévastant tout sur son passage, ponts, villages, récoltes sur pied. Gap, Embrun, Guiestre sont prises et pillées. Seule l'arrivée de l'automne et la petite Vérole font faire demi-tour à l'armée piémontaise. Il est ainsi démontré que les montagnes des Alpes ne sont pas suffisantes pour arrêter une armée. En septembre, sur ordre du roi, Vauban abandonne la réfection de la fortification de Namur, dont il vient de s'emparer, pour inspecter la frontière des Alpes. Après avoir fait une reconnaissance, la borne qu'il choisit, en novembre 1692, est une position conseillée par Catina. Surplombant par des escarpements de 100 mètres de haut le confluent du Guil et de la Durance. L'ingénieur propose d'y construire une place forte nouvelle, destinée à verrouiller la vallée du Guil et accueillant une population civile. Je ne sais point de poste en explique-t-il, pas même en France, qui lui puisse être comparé pour l'utilité. C'est l'endroit de montagne où il y a le plus de soleil et de terre cultivée. Il y a même des vignes dans son territoire, des bois, de la pierre de taille, du tuf excellent pour les voûtes, de la pierre ardoisine de bons plâtres, de fort bonnes chaux et tout cela dans la distance d'une lieue et demie, pas plus. Et quand Dieu l'aurait fait exprès, il ne pouvait être mieux. Comme à son habitude, Vauban a tout prévu, tout calculé et, notamment, le coût de l'entreprise, dans un abrégé estimatif de toute la dépense de mon dauphin, il évalue les travaux à 770 000 livres. Une somme raisonnable dans une année de crise, car le royaume, entre 1692 et 1694, épuisé par les dépenses de la guerre. Doit aussi faire face à la plus grave crise de subsistance du XVIIe siècle. Le projet est approuvé rapidement, le 4 mars 1693, notamment en raison de la qualité du roc de Mont-Dauphin, du Pouldingue, et de l'abondance du marbre rosa et Iglier. La construction débute immédiatement, elle est essentielle et l'essentiel est réalisé ou commencé quand vos bancs inspectent la place en 1700. Avec la signature du traité d'Utrecht et l'éloignement de la frontière, les seuls travaux concernent des aménagements de détail. Et les adaptations indispensables aux évolutions techniques, est-ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale La vie à mont dauphin a toujours été décrite, comme morne, ennuyeuse, voire déprimante, la longueur des hivers, l'isolement, une seule sortie vers régulier, le vent permanent. Pour que les soldats vivent un peu mieux les longues attentes de l'ennemi, Vauban a conçu un projet de ville royale complète, la population civile soutenant le moral de la garnison. Les maisons sont construites sur un plan préétabli, avec des caves voûtées servant d'abri. Un rez-de-chaussée réservé aux échoppes, un étage pour l'habitation et, enfin, un grenier. Des rues droites et larges suivent une gargouille centrale en marbre rose, des fontaines et des lavoirs sont des équipements urbains qui facilitent la sociabilité de la vie quotidienne. Pour attirer la population, les terrains sont gratuits pour qui veut construire, et les habitants bénéficient de franchises d'impôts. Pour favoriser le développement de la ville, il est demandé le transfert d'administration de guillestre, qui n'eut jamais lieu. Un marché et des foires sont institués en 1765. Mais les contraintes, règlements sur les constructions, fermeture de la ville le soir, discipline militaire, une seule porte d'entrée, à l'opposé de la grande route, les inconvénients de la présence de nombreux soldats célibataires, limitent la population civile à un maximum de 500 habitants au XVIIIe siècle. Bénéficiant de franchises fiscales, la communauté de Mont Dauphin, réunie à celle d'Eyugliers, en 1753, avec trois consuls dont le premier était toujours de Mont Dauphin, a toujours maintenu un instituteur, financé grâce au privilège de non taxe. Sur le bétail à pied fourchu entrant dans la place, est proposé une instruction gratuite. Après 1826, les écoles de filles et de garçons sont séparées. Pour limiter la dépense en ravitaillement et les désertions causées par la situation difficile de la ville, la garnison qui compte deux bataillons au début du siècle, qui participe aux travaux. Est réparti entre un bataillon logé à Embrun, et un autre bataillon dont une partie est casernée à Gap, et l'autre qui garde effectivement la place de Mont-Dauphin. En montagne, et en l'absence de route, le mulet, animal de bas, a l'avantage sur les animaux de trait, grâce à sa force, sa sobriété et à sa grande capacité à évoluer en terrain accidenté. Au XVIIIe siècle, la place dépendait entièrement des mulets pour son ravitaillement, ils furent ainsi entre 100 et 300, à stationner à Mont-Dauphin, durant plus de 200 ans. Vivre et munitions étaient acheminés par de longues caravanes de mulets battés. Formidable instrument de dissuasion, la place forte n'a jamais connu de siège et faute des habitants qui acceptèrent de vivre près de la garnison, les soldats furent condamnés, comme l'explique un contemporain, à ne trouver dans leurs camarades que l'ennui qui leur est devenu commun. Et c'est ainsi que Mont-Dauphin a bâti des records de désertion. Au début de la Révolution, Rostin et michaud d'Arson inspectent les places de l'est de la France, du Jura à la Méditerranée. Comme pour presque toutes les places visitées, D'Arson propose une lunette à la D'Arson. Une des rares à être construite, l'état monde, au fin de 1791 à 1801. Le 23 décembre 1792, devançant le décret de la Convention, du 25 vendémiaire de l'an 2, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, le nom de la ville est changé en mont la Convention le change en mont lyon la forme mont lyon est également courante, et fait exceptionnel. Ce nom est resté d'usage jusqu'en 1814-1815. La conquête de la Savoie, puis la victorieuse campagne d'Italie de Bonaparte éloigne le danger. La garnison est progressivement réduite, et les 120 canons présents dans la place en 1792 lui sont retirés. Ils servent notamment au siège de Toulon. La place sert de prison à des moines espagnols, puis aux Autrichiens faits prisonniers en 1796-1797. Ils sont rejoints après 1808 par des Anglais du Régiment Royal Malte, faits prisonniers lors de la prise de Capri par le Général Lamarck, des soldats de la Légion Allemande. En 1812, 2000 Anglais sont prisonniers à Mont-Dauphin, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. L'effet déprimant de la place agit aussi sur ces prisonniers, dont certains s'engagent dans les armées françaises. En 1799, 800 hommes des 74e et 107e demi-brigades de deuxième formation abandonnent matériel et drapeaux pour fuir cette garnison particulièrement mal aimée. De 1799 à 1809, le commandant de place est le général Carpentier, ancien prêtre. Le chef de bataillon garnier, lui succède jusqu'au 100 jours. Pendant les 100 jours, Cabrier, le commandant de place, est un colonel d'artillerie à la retraite. Après l'abdication de Napoléon Ier, avec le général Héberlé qui commande à Briançon, il refuse le passage aux alliés revenant de Grenoble pour prendre la route du Mont Genève, le dernier bataillon sarde ne passe le col, que le 13 novembre. La garnison, est réduite à un bataillon, après 1815. La ligne de chemin de fer venant de Gap, arrive en 1883 à Aiglié, au pied de Mont-Dauphin. La ligne est prolongée jusqu'à Briançon en 1884. Durant la Première Guerre mondiale, la place accueille des réfugiés serbes. Après 1919, la place n'est occupée par des troupes que par intermittence. Le baptême du feu de la place intervient lors du bombardement par un avion italien le 22 juin 1940, qui déclenche un incendie et détruit l'aile la plus ancienne de l'arsenal. Des détachements italiens et allemands y cantonnent épisodiquement durant l'occupation. À la fin juin 1944, une colonne allemande est accrochée par les FFI au plan de Fazi. Des miliciens et le détachement allemand de Guyestre s'y réfugient à l'été 1944, il capitule le 20 août face au FFI, par manque d'eau, les conduites amenant l'eau de l'extérieur de la place ayant été coupée par les assiégeants. En 1956, après l'insurrection de Budapest, les bâtiments sont prêtés par le gouvernement français à des réfugiés hongrois. En 1962, ce sont des pieds noirs qui y sont hébergés. En décembre 1965, la place forte est déclassée, et l'ensemble des bâtiments militaires sont classés monuments historiques le 18 octobre 1966. Le 7 juillet 2008, l'UNESCO inscrit Mont Dauphin, avec 11 autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban, à la liste du patrimoine mondial. Fondation de la ville, et première phase de construction, 1693-1708. Avec l'accord de Versailles, le 4 mars 1693, les travaux commencent dans l'urgence, pour être finis en un minimum de temps, Versailles craignant une nouvelle offensive savoyarde. Mais le poudingue est non seulement plus dur à creuser que prévu. Mais aussi moins compact et donc moins stable que ne le pensait Vauban. Du coup, les fossés doivent être maçonnés pour ne pas s'effondrer. La réalité du chantier, à 1000 mètres d'altitude, véritable défi à la montagne, n'est pas non plus conforme au plan prévu. Les travaux sont interrompus chaque année dès octobre. L'emploi des galets de déblais et du guilde dans la maçonnerie entraîne l'effondrement de la demi-lune de Berry en 1697. La place est carrée, suivant le profil du promontoire. Trois côtés sont peu menacés, dominant les alentours de 100 mètres de haut. Le front qui subira l'attaque est le front des donc il reçoit les principales défenses. Les fronts du Guil et de la Durance sont secondaires. Le front d'Embrun surveille la route de Briançon. Le front des doté de trois bastions et qui barre le plateau, est presque achevé lors de la seconde visite de Vauban, en 1700. A cette date, la place est presque fermée sur les trois autres fronts. Les casernes, l'arsenal, le magasin à poudre, 25 maisons civiles sont déjà construites. Vauban rédige alors une addition au projet de Mont-Dauphin, pour corriger certains défauts de la place, le front d'Aiglier couvre mal de ses feux le terrain en avant de la place, et Vauban demande trois redoutes pour combler ce manque, l'urgence des travaux a entraîné des effondrements. Le front du guil est menacé par la proximité du plateau de Guiestre, et il doit être rendu plus épais et plus haut, pour dissimuler la place au vu de l'ennemi. Vauban est par ailleurs persuadé que les problèmes proviennent de malfaçons et des incompétences des ingénieurs locaux. Les travaux ralentissent après le traité d'Utrecht, 1713, et le rattachement de l'Ubaï à la France, qui place le fin en seconde ligne. De simples retranchements de terre sont creusés en 1715, en avant du front Yeugliers. Une deuxième caserne est construite en 1707, une citerne terminée en 1729. L'arsenal est agrandi en 1751 et en 1757. Plusieurs éléments poussent au remaniement du front d'Embrun. Il est la batterie qui bloque les mouvements ennemis dans la vallée du Guil et de la Durance. De plus, il surplombe une terrasse cachée à sa vue, où l'ennemi pourrait stationner et donner l'assaut. Il est renforcé à partir de 1755. Mais les constructions actuelles datent d'entre 1765 et 1785. Les casemates datent de 1765. Et la rampe d'accès est construite à partir de 1772. Elle était attendue depuis longtemps, car elle permet d'ouvrir une seconde porte, la porte d'Embrun. Qui date de 1784, dans l'enceinte et évite aux commerçants le long des tours par Eglier. Le front est encore amélioré par la caserne Rochambeau. Les lenteurs de construction causent des faiblesses dans les voûtes, qui sont renforcées d'élégants arcs boutants, qui supportent également un escalier permettant d'accéder au toit terrasse qui participe à la défense. Une élégante fontaine entre deux escaliers courbés est construite contre la même caserne également en 1785. Un hôpital est également construit. Sur le front d'Eglier, le pont de bois est reconstruit en pierre. Des retranchements de terre sont aménagés dès 1715 en avant des bastions, les redoutes préconisées par Vauban étant repoussées. Enfin, avec les guerres de la Révolution, une lunette à la darsan est construite en avant du front des pour mieux le couvrir, 1791-1803. Pour l'alimentation en eau, il a été envisagé de creuser des puits, mais la dépense parut excessive. L'alimentation en eau fut d'abord assurée par le captage de la source de Champchignon, située entre Aiglier et mont -Dauphin. Le tracé de la conduite en mélas est marqué par une borne de marbre toutes les deux toises. Une deuxième source est captée, celle de la combe de Loubatière, sur le mont de Catina. La conduite est construite sur un socle en maçonnerie, la partie inférieure est en fonte, est couverte de grès. En 1746, la conduite de Chanchignon est refaite en terre cuite. Les deux sont ensuite refaites en ciment, 1854, moins cher que le plomb. Ces deux conduites alimentent quatre fontaines, et deux citernes creusées pour la troupe. La première de 365 mètres cubes, sous le pavillon du génie. Une seconde de 1840 mètres cubes, est creusée en 1727-1730, en deux salles de 30 mètres par 5 mètres, et 6 mètres de haut, entre les casernes. Les deux ensembles permettaient à une garnison de 3000 hommes, et à la population civile de tenir 60 jours, sous réserve qu'il n'y ait pas d'incendie. Un nouveau captage, à la source de Gros est réalisé en 1955-1957, et un nouveau réservoir construit en 1980. de Dauphin conserve une des lunettes avancées, selon le modèle conçu par le Michaud d'Arson, à réduit et casemate à feu de revers de France, qui est construite entre 1791 et 1803. Trois autres lunettes existent en effet à Besançon, Touzet et Trois-Châtel, et la troisième dans le fort de Chaudanne. La lunette est construite en marbre rose, comme le reste de la place. Elle est reliée à la place par un souterrain, et au casemate du fossé, qui offre des feux de revers sur ces fossés, par le même souterrain prolongé. Elle se couvre elle-même, car les feux de la place ne la protègent pas. Une tour à deux niveaux, le réduit de sûreté, bat la lunette qui aurait été prise, et le terrain situé entre elle et la place. Son efficacité militaire ne fait pas l'unanimité, cependant Roger Borneck est positif. Son originalité de conception est en tout cas saluée par tous les auteurs. Une plantation est réalisée par le capitaine Massillon entre 1818 et 1826. Plusieurs essences sont essayées, les frênes et les tilleuls sont ceux qui survivent le mieux. Elle améliore la vie dans la ville, elle offre une promenade, coupe les vents, et fournit une réserve de bois en cas de siège. Le même capitaine du génie remplace la terrasse de terre de la caserne Rochambeau, qui causait des infiltrations, par une belle charpente à la filibère de l'Orme. Le magasin à poudre est enterré, d'abord sous un mètre de terre en 1820, puis dans le programme de travaux des années 1880. Avec la construction de batteries d'artillerie lourde à longue portée et à ciel ouvert. Ces batteries sont construites avec les pierres de la nef inachevée de l'église à partir de 1873. La plus importante batterie est la batterie centrale, construite pour cinq emplacements de grosses pièces, avec quatre sous à munitions. Une batterie est établie sur le front du Guil. en 1880. D'autres travaux de détail ont lieu au 19e siècle. Sur le front d'Embrun, la batterie Saint-Guillaume est construite en 1822 et modifiée en 1857. Sur le même front, un pont-levis est établi, sur un fossé de 4 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur dans les années 1830. Des coupures sont établies sur le front de la Durance, pour éviter l'infiltration de petites unités d'infanterie, dans les années 1830-1860.